bien bonjour à tous et à toutes, c'est Brioche Cuillé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'épisode 1 d'une nouvelle série. Et oui, donc cette série est modée, hein, donc ça je peux pas vous le cacher, vous le remarquerez bien un moment. Et juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous parler d'un truc, c'est que j'aimerais reprendre un nouveau départ sur cette chaîne YouTube. Donc évidemment, je vais pas la supprimer, je vais pas supprimer les autres vidéos, mais je vais essayer de faire un nouveau départ, oublier un peu ce que j'ai fait avant et reprendre sur les nouveaux trucs. Donc, sans plus tarder, on se met évidemment en survie. Le petit coffre, c'est toujours bien sympathique. On va s'autoriser ça au cas où qu'on ait des gros problèmes et create the world. Alors, j'espère que vous allez bien et que en ces vacances, ben voilà. Ok, j'ai cru qu'on était sur une île, j'ai un peu flippé pour le moment. Par contre, je flippe, je ne vois pas d'arbre. Alors, on va juste attendre un petit peu le temps que l'FPS remonte parce que. Hein. Voilà. On va vite fait se choper ça. Ça vous spoil déjà un petit peu ici. Alors, on va voir les modes. Donc, on a évidemment Applied Energistic, Falling Meteor, ça, Iron Chest. Mécanisme générateur, mécanisme tool, Minecraft évidemment, Security Craft, Storage Drawer, Weather 2. Alors je ne sais pas s'ils sont tous là. Ah oui, non, ils sont pas tous là. Donc voilà, il y a des petits modes sympathiques hein, pour embellir le jeu, c'est-à-dire. Hop, hop, voilà. Donc. Ah bah les arbres sont là-bas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Donc on va tout de suite commencer à couper les arbres. Je ferai une petite Ok. Je ferai une petite ellipse, je pense, en attendant pour éliminer entre guillemets un petit peu. Et entre deux épisodes, je minerai vachement plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas là-dedans. Ouh, ouais, y a des lags, mais bon, écoutez. Ça. Non, si, tu veux s'allumer, non? Alors, c'est où? Là. Là. Oui. Merci. Alors, c'est du salt. C'est du sel. Hop, on va couper vite ça. Juste peut-être faire ça. Ça. Je vais vous faire une petite ellipse et je vais vous retrouver quand j'aurai arrangé le cas des lags. Et re, donc je pense que ça ira mieux là. Hein. Donc bon, j'ai changé deux trois petits trucs. Hop, mais bon, j'ai pas non plus des mods assez. Enfin, pour le PC que j'ai, les mods sont pas très très light. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour satisfaire ses abonnés? Donc, je vais couper du bois. Et on va s'installer gentiment sur la plaine, je pense. Et on va miner un petit coup ensemble. Hein, je pense, je vous mettrai un petit effet. De luminosité. Hop. Hop. À moins que dans le mode pack, entre guillemets. Alors, je précise, c'est moi qui ai pris les modes de. En gros, j'ai tout pris à la main. Hein, donc, voilà. Hop, hop, on va tout prendre. Donc, on pourrait regarder vite fait dans les contrôles si on a quelque chose à eu. Donc, du coup, le texture pack ne prend pas tous les. Mais tu flottes. Est-ce que. Ouais, les items flottent. Ah oui, c'est bon à savoir. Allez hop, je te rechope. Ouais, donc on peut aller voir vite fait dans les contrôles. S'il n'y a pas un truc genre. Ah, Night Vision. Quelle touche on pourrait mettre Allez hop. Ouais. Ok, bon, ça a fait. Dites-moi aussi dans les commentaires si. On va dire. Ouf, petit lag. Vous acceptez. Enfin, vous voudriez que je fasse boost. Voilà comment. Oh, je ne vois pas. Je ne vois absolument pas. Comment dire. Fait. Ah, à manger. Ça va être important. Manger, hop. Hop, manger. Oula, par contre, désolé pour les lags. Hop, autre. Ah oui, dans.
Weather and Tornadoes, il y a un item non craftable qui est pourtant assez utile. Donc dites-moi dans les commentaires si je peux me le giver. Hein, donc si vous dites non, bah malheureusement je pourrais pas, mais c'est un peu chiant quoi. Du coup, le craft n'est pas disponible malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, vous me dites en gros, je vais vous montrer l'item. Hein, c'est tu. Non, c'est pas ça. Alors là, c'est une win. Je crois que c'est une Winvine. Ah si, maintenant. Bah alors, c'est pas ça. galère. Mode. Weather and Tornadoes. C'est une. Un nanomètre, voilà, ceci. Donc, on peut pas le crafter, comme vous voyez. Hein. Donc, bon, en gros, c'est une girouette qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et donc, voilà. Donc, voilà. J'observe un peu là, qu'est-ce qu'il y a, mais on a 8 poulets, c'est pas mal, mais encore plus, ça me dérangerait pas. Donc bon, hop, j'espère que cette série vous plaira et que ben, simplement elle vous plaira assez bien. Hein. C'est modé, c'est pas non plus de refus, comme on pourrait dire. Hop, surtout que j'ai un peu galéré à mettre les mods entre les incompatibilités, les machins, les bidules et ce qui crache. Malheureusement. Eh bien, re tout le monde, hein, donc bon, ça a l'air de refonctionner à peu près, alors. Écoutez, j'ai dû sacrifier 2-3, pas mode évidemment, mais 2-3 petits, comment on pourrait dire, plaisances graphiques. Hein. Je sais pas si ça se dit trop. Mais bon, ça a l'air de d'aller un petit peu mieux quand même. Hop. Alors, on va tout de suite se craft une table de craft, évidemment. Hop. On va se la mettre là et on va partir un petit peu en grotte. Qu'est-ce que vous en dites? Moi j'en dis que j'ai le soleil en pleine face et que si ça continue, je vais prendre une je vais faire une ellipse et fermer la fenêtre. Hop. J'ai une question, mais, enfin une question. On verra bien ça, mais genre, est-ce que le truc qui permet de quand on lance des items, ça fonctionne avec les items modés? Ça c'est une bonne. C'est une bonne question. Alors, ouais, on a un peu opéré. Hop, on va tout de suite se prendre un petit peu de cobble supplémentaire. Et on va se faire un petit passage. Voilà. On va se prendre du charbon. Un petit peu de charbon, c'est toujours bien. Allez. Pour se faire des torches, voyez-vous. Sinon, qu'est-ce que je pourrais parler? Ben, pourrais parler. On est 60 abonnés sur la chaîne. C'est cool, non? Ben, si c'est bien, tout simplement, GG à vous. Hein. Y a que vous qu'il faut remercier. Ouais, un petit peu moi parce que je fais un petit peu de travail. Non, y a que vous qu'il faut remercier. Ben, par contre, je ne vois pas de minerai modé. Alors, pourquoi? Un petit peu bizarre ça, non? Hop, je vais crafter tout de suite d'autres torches et je galère, c'est magnifique. Ouais, ah non, c'est bon, c'est bon. On a du copper ici. On peut récupérer, oui, nickel. Ah, et le mode, ça fonctionne sur les items même modés. Bonne nouvelle. Hop. Bah du coup, il n'y a rien. On va quand même prendre le charbon parce que franchement, le charbon dans les séries modées, je pense que c'est l'un des trucs les plus importants pour alimenter les machines ou ce genre de trucs. Mais en avoir trop que pas assez, je dirais. Alors, hop, hop. Alors, est-ce que vous voulez, entre guillemets, que je vous dise un peu pourquoi du comment j'ai pris des mods, ces mods et tout et tout. Alors, Weather and Tornadoes, parce que tout simplement, j'aime bien un peu les catastrophes naturelles et tout et tout. Puis ça peut être sympa, ça peut rajouter un peu de piquant dans la sauce. Hein.
sauce piquante. Voilà. Et on peut, comment dire, grâce à ça, avoir des. Ça rend le jeu un peu plus vivant, voyez-vous. Hop, on va descendre là. Hop, ah, on va passer là. Alors attendez, j'augmente la lumière de mon écran parce que le soleil dehors m'empêche de voir correctement. Hop, là, il n'y a rien. Ah, ça me crame les. J'ai eu peur, mais non. C'est que ça. Bon, je vous fais une ellipse. Voilà, donc j'ai été fermer mes volets. Ouh, qui. C'est moi ou. Ah non. Non, non, c'est moi. Il n'y en a pas un autre. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, il y a du thym. Hop, du thym ou du. Ouais, du. Non, c'est plus. Du thym ou du tin? Du thym. Salut, ça va? J'ai pas envie de te voir. Comment dire? C'est que tu es méchant et que tu as beaucoup de vie. Non? Oula. Non, je voulais pas vous déranger, messieurs, hein, c'est bon. Pas envie de mourir tout de suite. Non, merci. Ouf, dégage, surtout toi avec ton épée là. Mais punaise, vous avez combien de vie? Oi, oh la vache! Ah, son épée, elle tue. Enfin, oui, elle tue. Elle fait mal. Ah, bah voilà, j'ai break ma. Vous savez quoi? Ah, oui. Ok. Ça fait mal, hein. Dans le jargon, on dit qu'on s'est bien fait tuer. Oui, par contre, j'étais passé par là-bas. Ah bah dis donc, la nuit, c'est pas très aimable, hein, voyez-vous. Je vais encore mourir. Non, pitié, ne me tuez pas. Ayez pitié de mon humble. Ouh la vache, la flèche là. Ayez pitié de mon humble. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de mourir, s'il vous plaît. La grotte devait être par là-bas, je crois. Tiens, j'avais oublié un petit poulet chez Merci, Merci, Merci. Du poulet, il y en a partout là. Hop, ouais, la grotte était pas là. Oula. Oui. Je flippe, j'ai perdu la grotte. Comment ça se passe là? Il faut vraiment là que je me dépêche. Bah, j'étais pas venu par ici. Bon, peut-être que j'étais allé un peu plus loin. Ah non, c'est celle-là. Non? Ah non, c'est pas celle-là. Elle ressemblait pas du tout à ça. Ouh là là, ça sent mal ça. Ça sent la brouille. Bon, bah franchement ça commence super bien la série. Peut-être là la grotte. Non, elle est pas là. Bon, bah d'ici là que je la retrouve, au revoir. Hein. Bon, bah je vais vous faire une ellipse et j'essaie de retrouver mon stuff si jamais je retrouve. À tout de suite. Eh bien, re tout le monde, voilà, donc j'ai réussi à retrouver mon stuff. Hop, donc c'est bien cool, mais là, du coup, les zombies m'ont mis en PLS. Alors, c'est un peu, comment dire, si je me fais battre comme ça bêtement contre des zombies, j'imagine même pas contre d'autres mobs ou je ne sais quoi. Donc je pense que on va attendre que la nuit passe, du coup, voilà, parce que j'ai, enfin, je sais même pas si la nuit est passée. Ah si, si, elle est... ah je sais plus. Donc on va garder cette grotte. Non, la nuit n'est pas passée. On va s'installer entre guillemets un petit peu ici, hein, le temps de. Hop, on récupère un petit peu de cobble pour faire cuire un peu de nourriture. Voilà, donc. Hop. Et hop. Ouais, donc par contre, ouais, c'était intense, hein. La nuit est bientôt partie, ça c'est plutôt cool. Sinon, on va se récupérer encore un petit peu de cobble. Attends, à mon avis, j'ai eu très chaud, hein.
On va se dire ça comme ça. Merci le record, hein, parce que du coup, je ne sais plus où j'étais parti. Mais grâce au record, j'ai pu retrouver assez simplement. Hop. Et hop. Merci bien. Ah oui, je voulais voir si. Est-ce que si. Ouf, si on tape. Sword, évidemment. Celle-là, elle fait 5 de damage. Pas en bronze. Oh, elle est où? Steel, Certus, Snium. What, elle est où? Bah. Bronze, mais oui, mais moi je veux une copper. Ah, on peut peut-être pas les crafter. Je sais pas, on va regarder si on fait. Bah non, apparemment on peut pas crafter. Et en tin? Pas non plus. Bon bah écoutez, moi qui voulais me faire une épée toute neuve, toute bien, toute jolie. Hein. Hop, on va se faire cuire un petit peu ça. Et il faudrait essayer de trouver du fer, écoutez. Bah non, mais du coup là on a déjà exploré, donc il y en a forcément pas. Alors, on va retourner un petit peu ici. Écoutez. Oh. Je n'avais pas vu. Où sont mes torches? Ils sont là. Hop, ouais, donc c'est un peu le bordel dans mon inventaire. Oula. Non. Ah non, vous les zombies, je vous ai déjà testé. Bon, merci, vous étiez un petit peu violent. Hein. Donc bon. À moins que tu lootes un bout de ton armure. Oh yeah, deux bouts. De l'osnium en plus. Hop. Excusez-moi, torche. Torche. Hop, donc charbon, on n'en a pas trop besoin pour l'instant. Ça, non. Oh, la witch, la witch. Ah, il fait jour dehors. Non, s'il te plaît, fais. Arrête, arrête, arrête. Arrête, arrête. Voilà, c'est bon. Hop, il n'y a pas eu un poil de. Bonjour. Il n'y a pas eu un poil de fer. Vache. Bah, dis donc. Hop. On va pas être mineur de fer ici. Ah, du fer. Il n'y a pas de zombies, y a rien, c'est bon. Pouvoir miner le fer tranquillement. Ça va, il y en a pas mal. Hop. Hop. Voilà, on va remonter. Je pense, comme ça, on va se faire une épée et tout en fer. Ça va être bien sympatoche. Allez, hop. Hop, on prépare les blocs de cobble. Et voilà, hop, on aura déjà un petit peu de stuff, comme on dit. Donc voilà, la grotte descend vachement plus bas, évidemment. Hop. Mais bon, pour l'instant. Ah, merci, merci. Ah oui, du coup, on peut pas faire de. Ah non, on peut pas. On peut pas, évidemment. Hop, donc je pense qu'on va ressortir dehors. Et commencer à se faire notre petite maison, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, hop, j'ai eu un petit doute. Bah du coup, on fera cuire ça à la maison. Hop. Non. Ah zut. Eh bien, heureux tout le monde, on voit, désolé pour encore un crash, hein, mais bon, je pense que j'ai essayé de couper un peu sur le montage. Je ne sais pas pourquoi je crache comme ça et tout, donc si vous avez un peu une solution, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Bon, du coup, elle nous sait être forte maintenant. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Moi, ça me va bah, toujours des petits. Comment dire conseils, voilà. Parce que, ouais, c'est un peu chiant, quoi, voyez-vous. Sinon, ouais, j'essaierai de regarder l'épisode, hein, mais on verra bien tout ça en temps et en heure. Ouf, oh, ça fait mal. Hop. Ouh. Où est-ce qu'on va pouvoir s'installer? Hop, je prends ça. Je ne sais pas. Je pense qu'on va s'installer. Oh, mais j'en ai semé partout. On va s'installer dans cette plaine. Je pense qu'elle est plutôt pas mal. Hein. Ah, puis il y a une grotte ici. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. On a. Oh, yes, ça va pouvoir se faire. Je pense qu'on va s'installer ici. Là. Donc, hop. On a la table de craft qui est là. Le four qui est là. Hop. On va se faire une
une petite épée. Yeah. Et on va refaire à chauffer ça. Et on va péter les cochons. Donc, j'ai pas pris le temps de préciser, je pense, hein, mais on est en 1.7.10. 1.6.7. Non, qu'est-ce que je dis? En 1.7.10. Hop. Hop, voilà. Toi, tu danses. Ça, mais... Yeah, on va se faire une pioche. Hop. Hop. Ah, du coup, ouais, j'ai mis au début du temps d'épisode. Donc, avec ces multiples crashs. Mais bon, j'espère qu'il n'est pas trop long. Ouais, on a dit quoi du tout, tout ça, c'est cool. Donc, je pense qu'on va... Or twice in the morning, I've been going all the way down, driving straight on a roundabout. Hop. Hop. Aïe. Eh bien, re les amis, hop, donc j'espère que ce petit accéléré vous aura plu. Donc voilà, donc là je vous retrouve parce que je suis en train de miner un petit peu de cobble. Et en attendant, je vais vous parler, oui, parce que là du coup il fait nuit. Oh, ah, attendez, la sensibilité de ma souris est... Non, bon, je sais pas. Oui, du coup, donc là c'est la nuit, du coup c'est un petit peu dangereux pour construire. Hein. Ah, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Et peut-être creuser une mine au petit. Alors je ne sais absolument pas où. Peut-être s'arrêter là, je sais pas aussi. Donc sachez que je vais peut-être tourner un deuxième épisode à la suite, je ne sais pas du tout. Hop, on verra bien. Alors, oui mais ne vous inquiétez pas, je pense que je vais miner. Oh, je sais pas du coup. Je sais pas, je sais pas. Bon, on y retourne. Hop, allez, 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 run. Hop, nickel. On a tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va rentrer ça et la table de craft dans la maison. Hop, voilà, merci. Et on va rentrer là. Alors, on va se mettre gentiment ça. Et ça. Et on va se mettre gentiment à cuire ça. Alors, hop, merci la poule. Une petite torche là. Ça fait plaisir. Oui, donc j'ai envie de vous dire là actuellement. Je m'avance aussi.
fait placer les dernières vitres. Une porte et on sera un petit peu safe. On va mettre les vitres là-haut. Donc voilà, donc je sais que ma maison c'est pas du grand art, hein, mais je pense que ça suffira pour l'instant. Ça suffira bien. Et, de toute façon, il faut que ça suffise. Parce que ça suffit. Alors ouais, donc je pense qu'on va se laisser là sur ce premier épisode de la série. Et donc j'espère que vous regarderez le prochain épisode, que vous mettrez un like, que vous vous abonnerez. Sinon, c'était Brioche. À plus et à la prochaine. Bye bye.